Comment préparer votre retraite? Je m'appelle Pierre Pironnet, je suis spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. J'ai pas loin de 60 ans, je fais pas mal de montagnes et je montre comment, par exemple aujourd'hui, on peut avancer avec beaucoup moins d'efforts, comment on peut faire des choses avec beaucoup plus de fluidité dans son corps, dans sa santé, dans son bien-être. Alors pourquoi je fais cette vidéo? D'abord parce que je suis dans un lieu magnifique que je vais vous montrer dans un instant, mais surtout parce que je voudrais vous parler de l'activité à partir de la retraite. Vous savez qu'aujourd'hui, la retraite, on la pousse à 64, 67 ans, pour certains. Et la difficulté, c'est que même le jour où vous serez à la retraite, en fait, vous n'aurez pas grand-chose. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour peut-être d'abord aller beaucoup mieux dans votre santé, mais surtout, comment vous allez développer peut-être des choses qui vous permettront d'être beaucoup mieux, plus que dans votre santé, dans votre vie? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, de plus en plus de gens souffrent de situations, de problèmes, de tensions, de stress, de peur, d'inquiétude. Et donc, du coup, ça met en place une vraie dynamique de possibilités dans le domaine du bien-être. Et moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'attirer votre attention sur ce que vous pouvez faire d'abord pour vous-même, pour aller beaucoup mieux pendant cette phase de retraite, mais surtout, comment avoir une activité complémentaire. Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous proposer en allant sur le lien qui se trouve en dessous, au-dessus de cette vidéo, voire à travers l'article que peut-être vous allez en dessous. Dans tous les cas, ce que j'aimerais, c'est vous montrer comment vous pouvez d'abord aller beaucoup mieux dans votre santé, mais surtout accéder à des pratiques qui non seulement vous feront du bien, mais qui, j'en suis sûr, pourront aider énormément de personnes. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous montrer ce décor qui est absolument magnifique. Vous allez voir ici le fond de la vallée. Alors on peut voir le fond, c'est le Vercors, et puis ici, eh bien, vous verrez le Taillefer qui est donc sur le côté. Et actuellement, je suis donc en Belledonne. C'est un lieu où j'aime me rendre, c'est un lieu où j'aime prendre le temps de méditer et surtout de me poser les vraies questions pour l'avenir. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez également sur le site relaxation-biodynamique.com. J'aurai le plaisir, eh bien, peut-être à la fois de vous montrer comment on peut aller beaucoup mieux dans son corps, mais surtout comment on peut mettre en place des choses qui, à coup sûr, vous serviront, si ce n'est pas pour vous-même, en tout cas pour vous aider à peut-être être plus libre et plus indépendant au moment ou même avant la retraite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me faire un petit retour, je vous invite à me laisser un petit témoignage, un petit partage ou peut-être même votre avis. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.